Salut les Tokuvors et bienvenue pour l'épisode 4 de Beast Morpher, supercherie digitale et joyeuse Saint-Valentin. Ah non, toujours pas. C'est bizarre cette manie qu'a Power Ranger de faire des épisodes de la Saint-Valentin pas à la Saint-Valentin. Bref, donc l'épisode commence effectivement avec la Saint-Valentin, où on s'aperçoit que les Power Rangers ont reçu plein de cadeaux de la Saint-Valentin. C'est rose, il y a des petits cœurs de partout, c'est trop mignon. Ouais, ok, d'accord, si vous voulez. Les gens, les fans des Power Rangers envoient des cadeaux de la Saint-Valentin aux Power Rangers. Ok. On commence l'intrigue du duo comique Ben et Betty, qui se résoudra tout à la fin, donc autant le faire maintenant, comme ça c'est fait. Donc parmi les cadeaux de la Saint-Valentin, il y a une petite abeille qui s'est infiltrée dans Grid Battle Force, et ben donc ils vont essayer de la chasser. Voilà. Sauf qu'à la fin, ils s'aperçoivent qu'il y a en fait deux abeilles, et ils vont se coller tous les deux à un papier tue-mouche, donc voilà, ça fait rigoler, naninana. C'est uniquement ça, le gag de l'épisode, 30 secondes au début, 30 secondes à la fin. C'est tout, voilà, ça n'a aucune incidence sur le scénario. Alors cet épisode, je l'ai trouvé un peu plus banal que les autres, mais bon, voilà, une fois que le début est... qu'on est abreuvé de toutes les informations essentielles, on peut continuer l'aventure avec des scénarios un peu plus légers, un peu plus bateaux. Donc cet épisode-là, je l'ai trouvé relativement moyen, mais ça va, ça passe, c'est toujours Beast Morpher, ça se laisse toujours regarder, c'est très correct, mais voilà. Sauf que l'épisode était moyen, mais on a pas mal de développement de personnages, notamment pour Ravi et Roxy, puisque c'est un épisode centré sur eux, et aussi un tout petit peu... sur quelque chose dont je reviendrai à la fin, qui c'est trop mignon. Donc Ravi et Roxy, donc, comme vous le savez, depuis l'épisode 1, ils sont amoureux, sauf que le règlement de Grid Battle Force leur impose de n'avoir aucune relation, c'est interdit par le règlement. Donc Ravi a un petit coup de blues en allant rendre visite, entre guillemets, à... j'allais dire au cadavre de Roxy, mais non, vu qu'elle est pas morte, au corps de Roxy dans la capsule, et il se remémore leur rencontre, mais voilà, un petit moment sympa, leur dernière Saint-Valentin, où ils étaient tous les deux ensemble, love love et tout ça. On apprend que l'avatar de Roxy a toujours les souvenirs de la vraie Roxy, et donc elle va monter un plan pour manipuler Ravi, grâce à leur amour, pour amasser du Morphix, et donc pour libérer Evox. Elle crée donc un monstre qui s'appelle Cheveltron, qui fout le bordel dans la ville, et il se trouve que Nate était là par hasard, entre guillemets. Il prévient donc Grid Battle Force qu'il y a un monstre qui attaque, donc envoyez vite les Power Rangers. Mais que faisait Nate dehors à ce moment-là? Parce que c'est extrêmement rare qu'il sorte de Grid Battle Force, apparemment. Eh bien, il était allé chez un fleuriste acheter des fleurs, hein, donc vu tout le thème Saint-Valentin de l'épisode, notre petit Nate ne serait-il pas amoureux de quelqu'un? Mais qui cela peut-il donc être? Donc les Rangers interviennent, combat. Petite remarque, Power Ranger, c'est très bien que vous sortiez vos blasters tout en étant civil, hein, pas transformé. Mais si vous tirez pas, ça sert à quoi? Parce qu'il y a que Zoé qui tire une fois. Elle tombe, elle tire. Voilà. Le combat doit bien durer 2 minutes, hein, 2 minutes d'épisode. Il y a que Zoé qui tire une toute petite fois. Ne sortez pas vos blasters, les gars, c'est pas la peine alors, hein. Roxy fait tomber Ravi et elle s'interpose devant lui parce que le monstre allait l'achever. Elle dit « Non, viens, on rentre !» Donc la supercherie commence à ce moment-là et Ravi se dit « Est-ce que ma Roxy serait toujours là? Est-ce que c'est possible que le brainwash ne fasse plus effet ou quoi que ce soit ?» Bien que, franchement, voilà, c'est un avatar, hein. Tu vois bien que c'est pas du tout la vraie elle. Mais bon, peu importe, Ravi y croit en tout cas. Donc Roxy lui dit qu'elle a besoin d'un appareil dans le labo de Nate, et Ravi va donc voler cet appareil, et c'est là que la supercherie tombe. Haha, merci d'avoir volé le truc essentiel qu'il me fallait pour libérer Evox, t'es qu'un con. Roxy utilise l'appareil pour convertir Ravi en avatar, hein, donc exactement ce qui est arrivé à Blaze et Roxy, mais il est sauvé par bien sûr ses copains. Donc Roxy vole l'appareil pour Scrozzle, pendant que lui, pendant ce temps, va envoyer un robot géant justement pour détruire le Power Ranger, quoi, hein, tout simplement. Donc ils se séparent, Devon avec Cruz va affronter, bien entendu, vu que c'est le seul à avoir un Megazord, le robot géant, pendant que les deux autres vont se friter le robot à taille humaine. D'ailleurs, petite parenthèse sur les Buddyroids, enfin leur partenaire robotique au Ranger. On les a vus dans l'épisode 2, dans l'épisode 3 ils ont joué un rôle extrêmement minime, mais là ils y sont pas du tout. Ça sert à quoi de les avoir intégrés à la série alors?
On les voit pas, ils partagent aucun moment ensemble avec leur partenaire Ranger. Ils servent à quoi? Donc là, il y a juste la commandante qui a envoyé Cruz en mode moto pour justement pour justifier le Megazord. Il y a aucune interaction avec les buddies et les Rangers. À quoi ça sert qu'ils soient là? Donc les Rangers arrivent à détruire en même temps sous un feu croisé les deux robots et tout est bien qui finit bien. Donc comme je vous l'ai dit, l'épisode se termine avec la suite du gag de l'abeille de Ben et Betty, mais entre temps on voit que Zoé reçoit des fleurs, donc c'est une employée de Grid Battlefoss qui lui amène les fleurs et tout ça, et elle lit une petite note de la part de ton admirateur secret et tout ça, et bien sûr vous avez fait 2 plus 2, c'est Nate qui lui a envoyé secrètement les fleurs. Donc notre petit Nate est amoureux de Zoé, vous comme c'est mignon. Oh. Voilà, donc c'était un épisode relativement sympathique. Voilà, on casse pas trois pattes à un canard, mais bon, on est à l'épisode 4. On nous a déjà abreuvé de beaucoup d'informations. Mais il y a quand même du développement de personnages, Roxy, Ravi, et un petit peu Nate. Voilà, donc encore une fois, toujours emballé par la série. Toujours hâte de voir la suite. Et, voilà, j'aime bien qu'on nous saupoudre des petits trucs comme ça de temps en temps pour voir jusqu'où ça va aller. Oh, et d'ailleurs, la commandante a réprimandé Nate pour être sorti tout seul. Donc elle lui assigne un garde du corps à chaque fois qu'il voudra sortir, en permanence. Un garde du corps, en permanence. Je crois que ça va le faire. Je crois que Nate il va vite en avoir marre et surtout vu ce qu'on a appris à l'épisode précédent où il a toujours aimé avoir un frère. Enfin bref, toujours emballé. Hâte d'être la semaine prochaine pour voir la suite. Et j'espère que vous aussi, hein, parce que c'est pour l'instant, franchement, en 4 épisodes, c'est une bonne série. Hein. Je vois pas vraiment ce qu'il y a de très négatif à dire sur ça. Donc voilà, toujours très emballé. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. To evil forces coming on.